Bienvenue sur Détroit et Beacon Humaine, les amis. Coucou, enfin, Loulou, Ellie. Loading. À ce qui paraît, ce jeu, franchement, il en vaut la chandelle. Hein. À ce qui paraît, ce jeu, il en vaut la peine. Hein. Candy Dream. J'y ai jamais joué, j'ai jamais vu n'importe quelle vidéo dessus, mais il me faisait l'œil depuis un bon moment. Détroit, Beacon Humaine. Premier épisode, les amis. Bonjour. L'expérience Détroit vous souhaite la bienvenue. Je suis l'hôtesse Android qui vous guidera. Avant de commencer, vérifions quelques réglages pour optimiser votre expérience. Ok. Avec une bonne immersion, hein. Allez, on est parti, hein. Veuillez ne pas éteindre votre système quand ce symbole s'affiche à l'écran. D'accord, ok. Vous pouvez maintenant commencer Détroit. D'accord, on arrive dans Détroit. N'oubliez pas, ce n'est pas qu'une simple histoire. Ce n'est pas qu'une simple histoire. Ceci est notre avenir. Ceci est notre avenir à nous tous. Date, 15 août 2038. Mais moi j'aimerais faire ça avec mes doigts là. Le négociateur vient d'arriver. Le négociateur. Ah d'accord. On joue déjà ? Direct ? Ok, on joue un androïde. Oula. Oula. Alors on. Wow. Ok. Ah ça rigole plus direct. C'est quoi ces trucs jaunes ? Alors, interagissez avec le joystick droit. Prendre. Ok. Alors, John Philippe. Carole Philippe. Emma Philippe. Né le 02-09-2028. Né le 23-05-2001. Né le 11-10-1999. Ok. Parc de Avenue Détroit, ok. J'adore comme toutes les infos qu'il a. Oh, les infos qu'il a dessus. D'un coup de main, non, c'est bon. Oula. S'agenouiller. Traitement. La luce delta de gang. J'adore tout. Sauver ? Comment ça sauver ? Bah sauver, sauve le poisson. Allez, sauve-le. Allez, remets-le dans l'aquarium, voilà. Très bon. Voilà. Instabilité. D'où il y a une instabilité? J'ai juste sauvé un poisson. D'où tu me parles d'une instabilité? J'ai juste sauvé un poisson qui était en bord de la mort. Oh, je vous en prie, Oula. Vous devez sauver ma petite fille. Vous avez envoyé un autre oeil. Venez, madame, vous ne pouvez pas rester. Vous ne pouvez pas faire ça. Vous devez envoyer un véritable être humain. Je suis outré, d'où je suis pas un véritable humain. Trouvez le commandant Allen. Je suis outré, d'où je suis pas un vrai. Maintenez R2 pour consulter les objectifs. Trouvez le commandant Allen, ok. Ok, il est là-bas. Y'a quoi d'autre là-bas? Trouvez le commandant. Y'a un truc là-bas à faire. Parlez. Monsieur? Commandant Allen, je m'appelle Connor. Je suis l'androïde envoyé par CyberLife. CyberLife, ok. Cet androïde tire sur tout ce qui bouge. Il a déjà descendu 2 de mes gars. On pourrait facilement le descendre, mais ils sont sur le rebord de la terrasse. S'il tombe, elle tombe aussi. Alors, nom du déviant, comportement du déviant, champ émotionnel, code de... Oula. Avez-vous essayé son code de désactivation? Mince, j'ai pas eu le temps. Nom du déviant. Connaissez-vous son nom? Écoute, la priorité, c'est de sauver cette gamine.
Alors occupe-toi de ce putain d'androïde, ou c'est moi qui m'en occupe. Ah, j'ai pas eu le temps. Ah, c'est rapide, hein. Probabilité de réussite 88%. Mince! Comprendre ce qui s'est passé. Alors attends, il y a un truc là. Analyse. Ok, synchronisation, Black Hawks, ok. Oh là 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 là, j'adore. Les analyses, c'est trop bien. Indice, ok. Quoi d'autre ? Il y a quoi d'autre comme analyse ? Ah là, les balles. Ok, l'attaque des balles, reconstituée. Comment ça se passe, la reconstitution L2. Ok. Je comprends pas. Ok. Ah, là. Ok, le déviant a pris l'arme du père. J'ai juste deux doigts pour déplacer la caméra. Ok, donc le déviant a pris l'arme du père, ok. Ok, il y a un truc là-bas à faire. Connor, il est trop sexy, hein. Connor, il est... Ah, ah. Alors, je déconne. Fouiller. Examiner. Examinons, examinons. Agre-greux, agre-greux. Allez, on va voir. Daniel, l'androïde le plus cool du monde. D'accord, donc l'androïde s'appelle Daniel. D'accord. Donc l'androïde s'appelle Daniel. L'androïde qui est en train de péter un câble, il s'appelle Daniel. Fouiller la chambre de l'otage. On fouille, hein. Ah, il y a un truc là. Mince. Il y a vraiment des, il y a vraiment beaucoup de maniements à faire avec la, avec la. L'enfant n'a pas entendu les coups de feu. Donc l'enfant n'a pas entendu les coups de feu parce qu'il écoutait de la musique. Chambre de l'otage fouillée. C'est quoi? Comprends ce qui s'est passé. Fouiller la chambre de l'otage. La chambre de l'otage, c'est fait. Regardez. Ok. Une très belle salle de bain. Une très très belle salle de bain. Mais ça ne m'aide pas en, du tout en enquête, hein. La fille, elle vivait dans le luxe. Ah ouais, ça va, là, belle maison de luxe, hein, quand même, hein. Merci, Ange, pour la rose. Très belle, la déco, ouais. Non, là, il n'y a rien. Ok, là, il n'y a rien du tout, hein. Ok, là, y a, là-bas, c'est le bordel. Analyser. Alors, ensemble d'analyses. Ok, là, il y en a un. Il y a une analyse à faire ici. Blessure par balle de calibre 0,9. Hémorragie de la partie inférieure du poumon. Hémorragie interne. Ok. Décédé. Jeune Philippe. Ok, bah, ça, on avait compris qu'il était décédé, hein. Ah. Hémorragie de la partie supérieure du poumon.
Une autre balle. Rein gauche perforé, traumatisme abdominal mortel. Reconstitution. Alors. Tac. Ouh. Là-bas, il met. Ouais. J'adore comme ils te me remettent la scène. Ah. Reconstitution terminée. Ça me serait de voir d'autres gens taper du pied. Comment ça de voir des gens taper du pied? Comment ça taper du pied? Votre commande d'Android AP700 a été prise en compte. Cyberline vous remercie pour votre achat. Ok. Vous avez débloqué un dialogue ou une action souvent. Oula. Ok. Ah, ok. Coucou Laurent. Ok. Il est là-bas. Ah. Ça a l'air très bon. Du sang de Schtroumpf. Modèle PL600 série. Modèle du déviant PL600. Du sang de Schtroumpf. Magnifique. Ouais. Allez, arrête-moi ça là. Activez le son. Un membre de la famille ainsi que d'un agent de police. Si c'est bien le cas, ce serait la première fois qu'un androïde met fin délibérément à... C'est surtout un androïde, c'est surtout un robot, ma grande. Mais bon, après. Ça fait maintenant un peu plus d'une heure qu'une fille a été retenue en otage sur la terrasse d'un immeuble ici, dans le centre-ville de Détroit. On ne connaît pas encore les circonstances exactes, mais il semblerait que le forcené soit l'androïde de la famille. Oula! Ouais, c'est bon, j'y vais, je vais lui parler, calme ta joie. Bonsoir, Captus. Oula. Tu m'as énervé, regarde, j'ai mon petit point rouge. Mon point est devenu rouge, tu m'as énervé. Oh là là. Qu'est-ce qu'il faut faire? Non. Bonsoir, Daniel. Comment? Je m'appelle Connor. Comment tu connais mon nom? Je sais beaucoup de choses sur toi. Je viens de sortir de ce mauvais pas. Sauver l'otage à tout prix. Oh là là. Gagnez la confiance du déviant. Approchez lentement. Calmer, libérer l'otage, compatir. Calmer. Je sais que tu es en colère, Daniel. Mais tu dois me faire confiance. Je suis là pour t'aider. Je ne veux pas de ton aide. Personne ne peut m'aider. Je voudrais juste que tout s'arrête. Je veux juste que tout s'arrête.
Emma est avec toi à cause possible. Je sais qu'Emma et toi étiez très proches. Tu penses qu'elle t'a trahi, mais elle n'a rien fait de mal. Elle m'a menti. Ça revient jaune. Je croyais qu'elle m'aimait. Mais j'avais tort. Finalement, elle est comme les autres, c'est mal. Daniel, non. Cause possible. Il voulait te remplacer par un autre androïde et ça t'a contrarié. C'est bien ce qui s'est passé. Je pensais faire partie de la famille. Je croyais que je comptais. Mais j'étais que leur jouet. Un objet qu'on jette une fois qu'on l'a utilisé. Compatissant. Accusateur réaliste. Écoute. Compatissant. Je sais que ce n'est pas ta faute. Ces émotions que tu éprouves ne sont que des erreurs dans ton programme. Non. C'est pas ma faute. J'ai jamais voulu ça. Je les aimais. Tu vois. Mais j'étais rien à leurs yeux. Rien qu'un esclave à qui on donne des ordres. Je peux plus supporter ce bruit. Fais dégager cet hélicoptère, maintenant. Allez, pars l'hélico, pars. Laisse-nous régler ce problème entre nous, là, dégage. Allez, hop. Allez, viens pas me faire chauffer, toi, dégage. Inspirez confiance. Tu dois me faire confiance, Daniel. Libère l'otage, et je te promets que tout se passera bien. Je veux que tout le monde s'en aille. On va faire une mise à jour Android. Regarde, j'ai un Android, moi aussi. Je suis avec vous, j'ai un Android. Trouver un compromis. Ce n'est pas possible, Daniel. Libère la fille, et je te promets qu'on ne te fera pas de mal. Je veux pas mourir. Rassuré. Tu ne vas pas mourir, nous allons simplement discuter. Il ne va rien t'arriver, tu as ma parole. Ok. Je te fais confiance. Non! Mais non! Mais j'ai bien réussi à 100% à le sauver! Il était rendu normal! Tu m'as menti, Connor. Tu m'as. Oh! Je suis pas content là. Voici l'arborescence de la scène. Ici, vous pouvez consulter. Merci. Ah bah de rien. J'adore le trophée que j'ai gardé. Trophée merci. Ici, vous pouvez consulter le chemin que vous avez pris, ce qui reste à explorer et la possibilité que vous avez déverrouillé. Chaque embranchement vous confère des points à utiliser dans les suppléments. En raison de la nature du jeu, certains embranchements et dénouements ne sont pas pris en compte dans l'avancée de l'arborance. Ok. Les snipers ont abattu le déviant. Ok. Donc, confronter le déviant dehors. Trop de temps perdu. Découvrir le nom du déviant. Trouver l'origine de l'incendie. Examiner le corps du père. Chercher des indices. Début de la mission. Sauver le poisson. Ça a été fait. Examiner les tuyaux à pistolet. Ah, il me manquait encore des indices à trouver. Hein. Ouais, pas mal de trucs à se faire. Hein. Ok, donc du coup, il y a 1, 2, 3, 4. 4, 5 fins, on va dire, ouais. Bon, c'est pas grave. Allez, on continue. Allez, on continue, les amis. Cyberlife, heure 15h24.
Qui es-tu, toi? C'est un assistant ménager. C'est un assistant ménager haut de gamme. Il connaît 10 000 recettes différentes. Allez, Zoé, on y va. 200 langues et dialectes. Et vérifie les devoirs des enfants de l'école primaire jusqu'aux études. Regardez autour et puis je psyche. Mon cœur, regarde-moi ça. C'est exactement ce qu'il nous faut. Et c'est combien déjà? En ce moment, nous faisons une promotion spéciale sur toute la gamme. À $7,999. Règlement en 48 mois, sans intérêt. Il effectue absolument tout l'entretien domestique. Peinture, plomberie, jardinage, réparation. La nuit, il passe en mode surveillance. Si vous voulez bien me suivre, nous allons passer commande. En fait, je suis quoi là? Je suis un androïde, moi aussi là? Je suis en train de tourner la tête là? Mais il inclut beaucoup d'autres fonctions. Je peux vous le montrer par ici. Tu cherches la bonne fonction. J'ai pas trop sa tête. Et voilà. Ça n'a pas été facile de la remettre en état de marche. Elle était vraiment amochée. Vous dites qu'il lui est arrivé quoi déjà? Une voiture l'a renversée. Un accident stupide. Toi, t'as une tête de con, toi. Enfin bref, elle est comme... Toi déjà, avec ta tâche, je t'aime pas déjà, toi. Toi, t'as l'air d'être un... la mémoire. J'espère que ça vous va. Toi là, toi je t'aime pas là. J'ai déjà rien que ta tête là, comment tu t'habilles, toi je t'aime pas là. AX400, enregistre ton nom. Kara. Je m'appelle Kara. Non. Carambar. Aha. Sonic Interactive Kendrick Stream. Nanana, Valérie Curie, Brian Deschards, Jess William. Quand... Ouais, check, mon pote. Le jeu, il est incroyable, hein. Il est beau, hein. Ça, c'est de l'intro. Alors, 5 janvier 2038. Il est 9h38. Et 7 secondes et 8 secondes. Donc, on est bien dans la phase où l'humanité a des robots personnels et tout le tralala. Hein. En plus, Quantic Dream, c'est français. Ouais, c'est français. Alors, se rendre à la boutique Bellamy. Alors, attends. Alors, je vois un truc déjà à faire ici. Merci, ma chérie. Lire. Attends. Alors, pouvez lire à nouveau les articles découverts dans la section supplément. Waouh. Green Earth, changement socio-climatique, ok. Quand le réchauffement climatique impacte la société américaine. Mais dis donc, est-ce qu'ils n'avaient pas un peu prédit le réchauffement climatique qu'on se tape en ce moment en 2024? Ben dis donc. Alors, tandis que le niveau de la mer continue de monter et que le réchauffement planétaire entraîne des conditions climatiques de plus en plus extrêmes, une étude américaine démontre que la population riche quitte les villes côtières autrefois florissantes. Bah dis donc,
Les côtes de villes prisées par Miami ou Los Angeles sont désertées par leurs riches habitants au profit de terrains situés dans les terres en plus haute altitude. Ok. Le iPad d'aujourd'hui quand même. Ouais, je sais, mais... Voilà. Ok. Alors, le secret des androïdes. Créer des androïdes qui soient bien acceptés par les humains s'est révélé un défi majeur pour CyberLife. Dans une récente interview, Johnson Graft, responsable du département d'humanisation de CyberLife, nous a révélé quelques-uns de ses secrets de fabrication. Chez le premier androïde, tout était parfait, leur visage, leurs expressions, etc. Nous avons vite compris qu'ils avaient quelque chose de perturbant là-dedans, qui mettait les gens mal à l'aise. CyberLife a donc dû trouver des façons d'humaniser ces machines afin que nous les considérons comme des membres à part entière de notre famille. Ils ont créé des androïdes de deux sexes et de tous les groupes ethniques, analysant des milliers de voix pour trouver les tons plus plaisants, le clignement des yeux, réaliste, bien que totalement inutile, a été perfectionné de même par la respiration, la pilosité faciale en tant que d'autres traits du humain. Cette simulation parfaite pour l'humanité, jusqu'à dans le moindre détail, dont les androïdes n'ont absolument pas besoin, le secret du succès des modèles de CyberLife. Waouh! L'IA, c'est juste un aperçu de l'iceberg, c'est tout à fait ça. Par contre, alors je veux aucun spoil, encore une fois les amis, hein. Pas de spoil, rien du tout. Je découvre le jeu, et pour ceux qui connaissent pas le jeu, on leur spoil pas aussi. Merci à vous. Oula, 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 oula. Alors. Ta 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 ta. Oh là là. Get your today. Today. Alors, faut que j'aille. Attends. Oh là, j'adore. L1. Oh. Android Run. Your country. When's Bob? Ah. Attends, il n'y avait pas un truc à faire avec lui? Non, il n'y a rien. Il n'y a rien à faire avec toi, mon gars? Y a rien à faire avec lui. Ah, je crois qu'il y avait un truc à faire. Hop, hop, hop. Par contre, si tu pouvais marcher un peu plus vite, mon gars. Hein. Tu sais, R2 pour utiliser le GPS. Ok. Par contre, le jeu est vraiment beau. Hein. Y a rien à dire. Hein. Il est magnifique. Hein. Se rendre à la boutique de Bellini, ok. Il prend son temps, il profite de la vie. Ah, mais il a raison, hein, il a raison. Mais se transforme en un nouveau maître. Les androïdes sont le mal. L'homme cherche à imiter Dieu en créant la vie. Mais de quel genre de vie s'agit-il? Une vie de plastique et de métal. Une vie dénuée d'âme. Une pâle copie de notre créateur. Pourquoi tu me regardes comme ça, démon? Je sais qui tu es. Moi aussi! Je vois clairement en toi. Tu es celui par qui le mal doit arriver. C'est toi qui amèneras Détroit à sa destruction. Ouais, c'est vrai qu'après, quand ça arrivera, le taux de chômage va augmenter, c'est vrai. Toi aussi, mes créants, abonne-toi à ma chaîne. Mais oui, le jour où ça arrivera, on perdra nos emplois. Hein. Il me semble que c'est l'un des pays les plus surveillés au monde. Abonne-toi. Ce serait coloré ici.
Create your of color. Ok. On est bienvenu chez Paint. Identification vérifiée. Tenez votre boîte. Voici votre commande numéro 847. Ça fera $63.99. Merci de confirmer. Paiement en cours. Paiement confirmé. Paiement confirmé. Transaction effectuée. Vous pouvez prendre votre boîte et retourner à vos trucs. Refaire une mise à jour sur Windows 2038. Attends, utiliser LR1 pour changer la langue de caméra. Ok. Vous ne pouvez pas passer par là. Ah, il y a Amazon qui livre ses colis là actuellement. Il y a Amazon qui livre les colis. Fait trop bien la voix. Bon, alors, du coup, on a retrouvé, on a pris un colis. Oula, il se passe des choses. Ah, après les trucs. Ah, c'est pour les recharger. Android Temporary Parking. Ah, c'est un parking pour Android. Salut Lucas. Il y a un parking à Android, j'adore. Salut, comment tu vas? Ah, c'est pas moi que tu parles, dommage. Bienvenue, Ange. Une même musique, $1, 2 years, music, world, soul. On dirait mon daron sous la douche. Ah là là. Oh, il a l'air de se passer des choses, il va prendre le bus pour rentrer. Ça, on a un tas de ferraille par ici. Oups. Regardez-moi ce petit fils de pute. Tu voles notre taf, mais tu peux même pas tenir debout. Suffit. Laissez-le tranquille. Commandant. On lui donne une leçon à ce fumier. Si vous l'abîmez, vous aurez une contravention. C'est votre boulot qu'ils prendront ensuite. On verra si ça vous plaît. Ok. Allez, circulez. Ah là 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 là. On avait compris, Ange. Nous vous souhaitons
À chaque fois que je regarde tes streams, je me dis que t'as l'air vraiment super gentil. Ah, parce que t'es pas sûr que je suis gentil, hein. Il y en a qui doutent sur ma gentillesse. Ça me fait rire. Salut Bella, comment tu vas? Manette de tuba. On veut plus de tuba. On veut plus de tuba. On veut plus de tuba dans nos vies. Vive les tubas. Gloire au tuba. Vive le tuba. Au saint tuba. Oui, je suis du multigaming, Enzo, c'est pour ça que je fais plein de jeux. Comme ça dit, je suis en train de jouer au jeu en ce moment, je suis dans la boutique d'Ami Sasaki. Grosse coïncidence, ça fait plaisir. On veut tous des tubas. Merci à toi, Nagwitn. Bienvenue à toi. N'hésitez pas à me suivre sur Twitch, nous aussi, les amis. Bah, depuis que j'ai l'âge de jouer aux jeux vidéo, Enzo. Hein. Donc, on va dire depuis que j'ai commencé sur Nintendo 64. On me demande depuis combien de temps je joue aux jeux vidéo. Bah, depuis que j'ai ma première console, ma Nintendo 64, donc on va dire quand j'ai eu 9 ans. Bon, bah, il me semble qu'on a tout fait, hein, à part deux trucs. Regardez-moi ça, comme on a bien passé le truc, il me manque juste deux trucs. Ça va? Bon, allez, on continue, hein. Nanana. Petit côté violence. Ah. Après la Nintendo 64, ça a été la Game Boy Pocket, la Game Boy Color et tout ça. Mon jeu préféré, c'est quoi? Bah, je suis un grand fan de la Légende de Zelda, donc The Legend of Zelda. Et j'aime bien, et j'aime beaucoup The Last of Us aussi. Alors suivre Todd. Il s'appelle Todd! Enfin, pas comme le Todd du Royaume Champignon, mais il a 2D. T'es absente 2 semaines, alors il y a plein de bazar. Tu vas faire le ménage, la vaisselle, merci. Pour faire le repas, et tu merci, vas te Mifa. Ma portelle, elle est où cette sale gosse? Moi, allez, je fais des let's play, après je fais des rediffusions sur YouTube. Ah, te voilà. Red. Voilà, Alice, tu dois t'occuper d'elle. Les devoirs, le bain, tout le bordel. Pigé? Oui, Todd. Tu commences en bas, après tu vas à l'étage. On part sur des lives, après c'est sur des... C'est un live, mais un let's play, et à part, ça repart en rediffusion sur YouTube. Maintenez R2 pour scanner l'environnement. Coucou, ça va bien? Salut Hélène, ça va bien et toi? Ok, alors on va faire plein d'inspections, les amis. Allumez télé. Alors prendre... Ok. Ramasser la vaisselle. Et j'en fais quoi de la vaisselle? Elle est où la cuisine? Là-bas. Imagine t'as une femme robot. Ah, j'aimerais pas avoir une femme robot. Ah, moi tu me laisses faire ma vaisselle, hein. Peut-être. Ah là là. Moi je veux faire ma vaisselle tout seul. Moi j'ai pas besoin d'une femme robot, hein, pour faire la vaisselle. Le lave-vaisselle ne fonctionne pas. Ah. Composant manquant, commande en cours, traitement. Composant R300. Elle voit qu'il manque un truc dans le. Ouais, j'adore. Elle voit que le truc il est en panne du coup. Ah.
Oula. Ah, même pour faire la vaisselle, il faut caresser la manette, hein. On caresse la manette, les amis, pour faire la vaisselle, hein. Allez, on frotte. Ah, moi, la vaisselle, je la fais moi-même, la vaisselle, hein. Todd. File-moi une bière fraîche. Alors apporter une bière à Todd. Oh, ok. Putain. Alors apporter une bière à l'autre trou du cul là. Tu peux pas aller la chercher toi-même, feignasse. Ah, c'est dur de se lever du canapé, hein. Mon Dieu. Faisselle faite, ramasser les déchets, inspecter le jardin, allumer l'aspirateur. Allumer l'aspirateur, je sais pas si c'est une bonne idée. Hein. Enfin, quoique. Ouais, ça va, c'est un aspirateur comme ça, c'est un aspirateur. Voilà. Inspecter le jardin. Alice, arrête-moi ça! Immédiatement! Ranger. Pourquoi il faut toujours qu'elle me saoule? Qu'est-ce qu'elle me saoule? Mettre les déchets dans la poubelle. Prendre la poubelle. Ok. Hop, qu'on collecte. Collecter. Allez, hop. 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 Alors, nettoyer la cuisine. Collecter, allez, hop, 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 allez, tout dans les poubelles, allez. Nettoyer la table basse. Allez, on te met dans la poubelle toi aussi, mon gars. Je suis de la génération 90, Ange. Hein. Je suis 90. Allez, prendre. Sortir les poubelles. L1. L1, c'est là. Application rejetée. Rejetée. Il y a beaucoup de rejets, hein. Oula. Bienvenue, Undertalk. Merci à toi pour ton follow. Bienvenue à toi. Tu es de génération 90, Rémi? Ouais, je suis de génération 90. On ne dirait pas, mais oui, 90. Alors, poubelle sortie, tâche optionnelle, inspecter le jardin. C'est moi, je viens de Mabo. Merci beaucoup, Enzo. Il se passe quoi là-bas? Ah, ok, c'est en train de construire des trucs ici. Un jeune vieux. Ouais, on est tous jeunes vieux. Hein. On est tous des jeunes vieux. On était tous des vieux avec une âme d'enfant. Présenter à Todd, tâche urgente. Oh, 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 oh. Qu'est-ce qui se passe? Ça va, ma grande? Puissance Android. Dans son troisième match de la saison, le lanceur Android a lancé la pull à plus de 190 km/h. Le batteur humain n'a réagi qu'une fois qu'une la balle de gant du receveur. MDR. Bienvenue. Je suis au début d'année, je suis Verseau. Comme moi, Ange. Un livre tactile. Ah là là, ça a l'air tellement bien. Team Verseau, les amis.
Ok, ouais, ça parle de beaucoup de trucs. Hein. Du coup, faut faire quoi là? Inspecter le jardin, tâche urgente se présenter à Todd, tâche optionnelle. On va l'inspecter le jardin avant, on va l'inspecter le jardin. J'aimerais inspecter le jardin avant de faire sa truc à lui là. Hop. Alors, inspecter le jardin. Ah. Attends, il a l'air d'avoir un truc là. Là, là, ici, là. Regardez. Ouais, ok, il n'y a personne. On va tout inspecter, comme ça, après, on aura bien tout fouillé. Ok. Faire le linge. J'imagine que c'est ça qu'il faut faire. Oh, choupette! Refaire la lessive. Ça va, choupette? Ah, ma grande, ça va? Alors, jeu, jardin, météo, école. Météo. Il ne fait pas très beau dehors. Non! Tu pourrais attraper froid. Tu veux que j'aille te chercher un pull? Jardin. Tu aimes jouer dans le jardin? Neutre. J'aime me taper une neutralité. Neutre. Refaire la lessive. Ok. J'adore comment on ouvre les portes. Tu tournes, tu avances comme ça et après tu tournes. J'adore. J'adore comment c'est fait les touches. Prendre. Ok. Oula, c'est quoi ça? Qu'est-ce que c'est que ce truc? Red Ice, Hexatone, Lithium, Tyranium. Oh là là, mais c'est pas bon ça! Tu devrais pas fouiller dans mes affaires. Monsieur, il y a de la drogue! De m'énerver. Je suis désolé, Todd. Ne mets pas ton nez dans mes affaires, sauf si tu veux mettre en rogne. Tu veux mettre en rogne? Non, Todd. Il a une sorte de drogue? J'aime bien, il passe de bleu à jaune à rouge. Ouais, j'essaie de comprendre ce délire. Donc, quand ils sont bleus, c'est normal. Quand ils sont en jaune, ils sont à peu près inquiets. Quand ils sont dans le rouge, c'est l'alerte. Quand ils sont en rouge-rouge, c'est alerte. Ça envoie un message de données au centre de service et ça leur dit qu'il y a un problème. Salut Gray, comment tu vas? Alors, se présenter à Todd. Ouais. Ça va et toi? Bah écoute, la forme. Hein. Hop, ranger. Tout bien rangé. Hop. Voilà. Je me mets dans le mur, comme ça je dérange personne. Et là. Ok, le match. Je passe devant toi, désolé. Mais dégage de là, putain! Désolé, Todd, ça ne se produira pas. Mais calme-toi, calme-toi! Toujours en forme, Rémilo. Toujours en forme, Ellie, toujours. Toujours en forme. La choupette! Oh, tu tires la tête, hein, choupette.
Comme ça, j'avais déjà lu. Tu t'ennuies, hein. Toi, j'ai l'impression que t'as envie qu'il crève le. Toi, j'ai l'impression que t'attends qu'il crève. J'allais lui parler, c'est ça? Terminé le premier étage. J'ai bien avancé ici. Je vais aller voir là-haut. Fais ce que t'as à faire, mais arrête de me gonfler. Ok. Aigri. Aigri. Oh, allez, on met un hashtag aigri pour le gars. Bleu tranquille, stressé, jaune tranquille, bleu tranquille, jaune stressé, rouge près de l'autodestruction où se sent le danger. D'accord, peluche. Quelle jolie peluche. Comment elle s'appelle? Amicale. Ah, on gagne un peu. Il grille de la vie. Ok, j'ai fini le jeu, tant mieux. Alors, ok, il y a toujours les dettes. Promis, je spoil pas. Merci beaucoup, Grey. Respecté. Alors, ranger la chambre de Todd. Ranger la chambre d'Alice. Je crois qu'il y a mon chat qui est en train de pleurer. J'ai entendu Loki faire des... Alors, nettoyer la salle. Oh là là. Chouineux ce chien. Ok, on range les papiers. C'est ton chat qui fait ce bruit. Non, c'est mon chien. J'ai pas de chat, j'ai un chien. Ok. Pas tout compris. Loki qui pleure, ouais, c'est Loki qui pleure. Loki fait. Allez, c'est des drama queens, les Yuski. Hein. Les Yuski, c'est des vrais drama queens. Hein. C'est parce que t'as jamais entendu un Yuski pleurer, ma grande. Un quarterback androïde. Enfin, il pleure pas, hein, il fait juste. C'est quoi le jeu? Drama Queen, ah, les Yuski, c'est des vrais Drama Queen. Il y a des cloches. Ah, il y a des cloches, c'est pour ça qu'ils sonnent. Ils sont chiants. Ok, le prix bas, ok. Drama Queen, ah là là, les Yuski. Hein. Ouais, il y a des cloches qui sonnent, c'est pour ça. Attends, prendre. Ok. Contient du TNT. Oh, j'ai pas eu le temps de lire. Il y a un flingue à côté. Ok. Vous avez débloqué un dialogue et une action souvent bénéfique. Ah, ok. Donc j'ai débloqué un dialogue et, un truc qui pourrait me servir. Ok. Oh lui, comment tu l'as fait en deux speed? Moi j'ai connu un chat qui n'avait pas le même miaulement qu'un chat ordinaire. Bah le mien, on va dire, c'est un mélange de tout. Hein. Eh bah dis donc, ça boit, ça picole. Dis donc, ça met de la belle vie ici. Oh putain. J'ai eu peur du follow. Bienvenue Matt. J'ai eu peur du follow, sérieux. Aérer la pièce. Tu sais le gros chaperon dans Stuart Little. Oh là là, les gros chaperons dans Stuart Little. J'adore Stuart Little. Ok, il y a un dessin animé. Merci Lisa, merci Cactus. Waouh. Les chiffres du ministère.
taux de chômage au niveau national s'élève désormais à 37,3%. Eh ben dis donc. La présidente Warren s'est exprimée aujourd'hui lors de l'inauguration d'une nouvelle usine CyberLife près de Milwaukee. Dans son discours, la chef d'État a salué le rôle de CyberLife dans les performances de l'économie nationale. Okay. La présidente a également annoncé l'acquisition par le ministère de la Défense de 200 000 androïdes de combat dans le cadre de son expansion militaire. Mais après, que les androïdes... Alors là, c'est un truc que je me dis là. Après, que les androïdes partent à la guerre à la place des humains... Ok, certes, c'est pas un mauvais point. Ça évite des pertes. Ça évite des pertes humaines. Non? Enfin, c'est mon point de vue, ça évite des pertes humaines. Comme ça, il n'y a pas des femmes ou des hommes qui se retrouvent sans leur famille ou des enfants qui se retrouvent sans leurs parents. C'est mon point de vue, hein. Bouge-toi de là. À tout moment, Rémulus, un androïde. Je suis un androïde. Vous ne le savez pas encore, mais je vous divertis parce que c'est dans mon programme. Je voudrais juste ranger un peu ta chambre. Ça ne sera pas... Ah là là. Ella, merci. Oui, c'est toi. Alors, prendre, ranger. Oh oh, ranger. T'as envoyé un cœur sur toi. Merci beaucoup, la casa. Comment tu vas? Laver le sol. Allez, hop. C'est pas facile, hein. Allez. Allez! Eh bah dis donc, je t'envoie deux roses, merci. Merci pour Laurent pour les 10 cœurs enflammés. Lavez le sol, ça c'est fait. Et derrière, Rémi, ça fera 2 euros s'il te plaît. Seulement j'étais riche. Ah là là. Ok, il faut une clé. Alors, faire le lit, ranger la chambre d'Alice, aérer la pièce. Fallait que j'aère la pièce. Je l'avais pas aéré la pièce ici. Ranger la chambre d'Alice, ranger la chambre de Todd. Si là j'avais aéré, ok. Faire le lit. Ok. Hop. Hop. Mais je suis encore sous le choc, moi, de... Je suis encore sous le choc de me taper des screamers à force de Outlast. Et là, je me tape... Là, j'ouvre la fenêtre, je me tape un follow en même temps. Mais arrêtez de me faire peur! Bienvenue, Evoun. Mais arrêtez de me faire une crise cardiaque, les gens! Désolé de t'avoir fait peur. Excuse-toi, t'as raison. Bienvenue à toi, Evoun. Alice au pays des merveilles. Forcément. Merci à toi, bienvenue. Les gens, ils adorent s'abonner et me faire peur en même temps. Ils adorent ça. Amical. Je suis sûre qu'on était amis avant qu'on me formate. On peut peut-être le redevenir. Kara, maman. Ton papa dit que c'est toi qui as choisi mon nom.
Kara, c'est joli. Comment Confiance. Mais vous le faites exprès, est-ce que je peux jouer? Est-ce que je peux jouer? Tu devrais me parler de toi, de ce que tu aimes faire. Bienvenue. Tes plats préférés, ça m'aiderait beaucoup. Maman, laissez tranquille, silencieux, maman. Ta maman, par exemple, elle rentre bientôt. Ah, mince. Oh, mince. Oh, mince, j'ai dit un truc qu'il fallait pas. Divorce du chemin. Ah. Elle m'a donné une clé. Ah, la type boîte, ok. Ah, j'aurais pas dû. Ah, j'étais bien fait de parler de sa mère. Elle m'a donné une clé. On s'abonne parce que t'es le meilleur. Merci beaucoup, Evoun. Bienvenue à toi. Merci à tous ceux qui s'abonnent, merci à vous. Ah! Elle m'a donné de l'argent, t'as cru que c'était de l'argent. Un trèfle à quatre feuilles, je l'ai trouvé qu'une fois dans ma vie. Ok, une photo de famille. C'est un jeu à choix, Vivia. C'est un jeu à choix. Mais pas d'horreur. Futuriste, on va dire. Ok, une photo d'une fille qui pleure avec elle saigne. Le papa pas content. Le père et l'androïde qui se disputent et la fille elle pleure. Ok. L'androïde a été cassé. La fille elle pleure. T'as été cassé par le padre, toi. J'ai fait exprès de me décollons et de me refollow. C'est pas bon de faire ça, Itaka. Hein. Ça apporte rien de bon à ce que tu fais. Hein. Bonsoir, Léonie. De toute façon, quand vous refollow, quand vous follow et défollow, ça sert à rien. Hein. Je sais pas pourquoi vous faites ça, une tuerie ce jeu. Hein. Ouais. Je comprends pas pourquoi vous faites ça. Hein. Mais je sais pas pourquoi vous faites ça. Y a pas d'intérêt à faire ça. Hein. Les gens ils s'abonnent, ils désabonnent, ils reviennent. Je comprendrai jamais ce délire. Demandez à Toc des nouvelles instructions. Faut que je me souvienne de où la commode, c'est ça? La commode. De où la commode? On m'a dit à un moment. Il coûte combien le jeu? Je n'ai plus aucune idée. Je l'ai acheté sur Amazon, mais je sais absolument pas combien je me souviens plus du tout combien je l'ai. Ce jeu m'a bouleversé. Bah, j'espère être bouleversé aussi par ce jeu alors. Qu'est-ce que tu fiches? Je m'amuse. Tu t'amuses? Je sais ce que tu penses. Que ton père a un bon à rien. Hein? Ouais. Un pauvre loser. Ouais. Qui a pas de travail. Qui ouais. S'occupe pas de sa fille. Ouais, ouais. Tu crois que j'ai pas cherché des solutions? Non, aucune. Mais quoi que je fasse, y a toujours quelqu'un qui se pointe et qui fout tout en l'air! Je sais ce que tu penses de moi. Tu me détestes. Ouais, comme mon beau-père. Tu me détestes, pareil. Dis-le! Tu me détestes! Oui! Tu me fais peur, tu me fais pleurer là. Oh mon dieu! Qu'est-ce que j'ai fait? Je suis désolé, ma puce, je suis désolé. Tu sais que je t'aime, tu sais que je t'aime. Secret. Kara découvre un moyen de descendre. Oh là là, j'ai tout eu. 40 euros au Remilo Gaming. Ok. Ah, j'ai tout eu. J'ai tout trouvé. Oh.
Trop bien. Eh ben. Ah ouais. Première histoire. Allez, avec elle, on a tout trouvé, les amis. On a tout fait. Parfait, c'est génial. Ça me fait un truc en moins offert. Ah, en retournant avec l'autre là. Celui qui a été parti chercher sa boîte à peinture là. On voit là Marcus. On est avec Marcus. Voilà, on est au retour avec Marcus. Léonie. Oh Léonie. Pourquoi es-tu donc Léonie? Alors, déposer la veste. S'occuper de Karl. Réveiller Karl à l'étage. MDR Léonidas. Alors. Non. Il n'y a qu'un seul. Léonidas. Et c'est lui. Il n'y a que lui en milieu d'as. Ah, il est où? Il n'y a que lui. Il est où? Il n'est pas là. Où es-tu? Il est en bas, parce qu'il est petit. faut faire quoi, là, avec lui, là? Analyser. C'est un robot, le piaf? The Seven Deadly Sins. Même l'oiseau, c'est un piaf? Même l'oiseau, c'est un robot? Même les oiseaux, c'est des robots? Il s'appelle Marcus, oui. Hein. Oui, il s'appelle Marcus. J'aime les chocolats, Léonidas. Ah non, mais là, même les oiseaux, c'est des robots, quoi. Ok, donc c'est un peintre. Alors attends, faut que j'aille à l'étage, c'est ça? Réveiller à l'étage. Bon, avant, je vais fouiller un peu, moi. Avant de faire son truc, je vais quand même fouiller. Moi, je veux fouiller avant d'aller réveiller qui que ce soit. Loki, c'est peut-être un androïde. Ah, va savoir, t'es que mon chat, c'est peut-être un androïde, hein, va savoir. Hein. Va savoir, t'es que mon chien est un androïde. Hein. Ok, le pôle Nord, pourquoi la Russie veut s'en emparer? Pôle Nord, pourquoi la Russie veut s'en emparer? Ok, allez, on passe. Je n'ai aucune envie d'avoir de quoi de problème en faisant ça. Oui, Enzo, j'ai fait le 1 et le 2. La preuve de l'existence des formes de vie extraterrestres se multiplie. De la vie sur Titan. Ok. Les épreuves de l'existence des formes de vie extraterrestres se multiplient. Ok. Le sonde a quitté la Terre il y a exactement 19 ans pour analyser la surface de le méthane de glace Titan vient de confirmer la présence de micro-organismes. Et oui, comment ça? Enfin, depuis le temps que vous voulez que j'y joue à ce jeu, on y est enfin dessus. Depuis le temps que vous voulez me voir y jouer. Une girafe. D'accord, Laurent. Mais là bon là, je crois que c'est bon là, j'ai tout fait là sur celui-là. Ouais. Page 1. Couverture. Précédent. Hop. Le pôle Nord et la Russie, ok. Donc ça c'est fait. Ah, il y a un truc à faire là-bas.
Ok, essayez. Ok. Est-ce que je passe dans l'autre pièce ou faut que je monte? Je sais pas. Je sais pas s'il faut que je monte ou pas. Ou je vais dans l'autre pièce. Bon. Oula. Réveillé. Je sais pas s'il faut que j'aille dans l'autre pièce ou pas. Il y a l'air d'avoir pas mal de choses à faire ici. Ranger. Alors, on va tout ranger avant. On va tout ranger. Moi, je dis que avant d'aller réveiller, on va tout ranger. Avant d'aller réveiller notre proprio. Vu qu'on est l'android de quelqu'un, il faut déjà que tout soit en place. Ce qui paraît logique, hein. Oui, Woon, c'est quoi ta question? Ok, hop. Tac. Voilà, on prépare tout. Donc, je pense que... Ah ouais, donc, du coup, t'es streamer depuis combien de temps? Depuis ben, un bon moment, hein. Depuis 2021, on va dire que j'ai vraiment commencé à faire des streams. J'ai tout recommencé à zéro sur Twitch. C'est pour ça que j'ai pas beaucoup d'abonnés. J'ai tout recommencé à zéro. Mais après, à un moment donné, j'ai fait une pause. J'avais une sorte de... J'étais pas bien mentalement. J'avais des problèmes dans ma vie et... Du coup, j'avais arrêté un peu les lives jusqu'à ce que je me reprenne en main et que je décide de me relancer. Voilà. Parce que j'avais des problèmes de santé et tout ça. Bah ben moi, je viens juste de commencer. D'accord. Ben moi, je viens juste de commencer. Ok, ok. Oh bah ben c'est cool. Et puis ça va mieux, Rémi? Bah depuis que je prends mon traitement, oui, ça va beaucoup mieux. Ça va beaucoup mieux, ma santé va beaucoup mieux. Je suis suivi médicalement, tout ça, donc ça va. Bienvenue, Jeanne! Une hyperthyroïdie, Léonie. J'ai une hyperthyroïdie. Donc du coup, je suis sous traitement bah, pendant un bon moment. Courage à toi, merci beaucoup. Et la Modo est sur ton live en ce moment? Oui, mes Modo sont sur mon live, t'inquiète pas. Alors, voyons voir, qu'est-ce qu'il faut faire ici? Alors, on a pour le moment, on a deux histoires. On a Connor, on a Marcus et Kara. Voilà. Pour le moment, c'est les trois personnes que je vois derrière là. Ouais, on a Marcus, Connor et Kara. Non, mais genre, ma modo est sur ton live en ce moment même. Ah bon, c'est qui? C'est qui ta modo qui est sur mon live? Bonjour, Carl. Bonjour, Carl. Bonjour. Il est 10h. Il est 10h. Il est temps de se réveiller. Il fait beau dehors. Il fait 12 degrés. Avec un taux d'humidité de 80% et des averses prévues pour cet après-midi. J'adore, il fait la bonne journée pour rester sous la couette. D'accord, ok. Je donnais son médicament. La peinture que vous avez commandée. Ah oui, j'avais oublié. C'est toute la différence entre toi et moi.
Alors, donner son médicament à Carl. Marcus, toi, tu n'oublies jamais rien. Chuck Norris. Hop. Donnez-moi votre bras, s'il vous plaît. Non. Si. Carl. Merci. La voix de Chuck Norris. Je viens à peine d'ouvrir les yeux et je grince déjà des dents. Moi aussi. R1. T'es prêt à te faire piquer ? Touk ! Les humains ont une mécanique si fragile. Ah, si tu savais. Hein. Ils tombent en panne si facilement. Oh, ils sont aussi en colère aussi très facilement. Ils sont aigris très facilement. Ils sont jamais contents facilement. Hey. Qu'est-ce qu'ils ont, tes vêtements ? Oh, ce n'est rien. Juste des manifestants dans la rue, Carl. Quelle bande d'abrutis. C'est clair. Ils pensent vraiment pouvoir ralentir le progrès en brutalisant quelques androïdes. J'espère qu'ils ne t'ont pas fait de mal. Bah non, t'inquiète. Oh, non, non. Ils m'ont juste bousculé, Carl. Voilà. Je vais bien. Attends, j'ai un androïde. Okay. Si vous voulez, on manifeste. Regardez, je prends mon téléphone Android. C'est un androïde hein, que j'ai. Voilà. Là, j'ai mon androïde. Oui, je suis team Android, hein, pas team iPhone. Ça sert à rien, les Apple. J'aime pas les Apple. Oh, c'est trop mignon. iPhone à vie, tu gâches ta vie pour rien là, coucou. Je dis, c'est rien du tout, ça. Ça sert à rien. Ça sert à rien, les iPhones. Je suis désolé, pour moi, j'aime pas les iPhones. Moi, je suis pas une team iPhone. Oui, le vernissage de votre rétrospective au musée d'art moderne. Vous gâchez votre argent pour rien. J'adore les pommes, mais j'aime pas les pommes comme ça. J'aime pas les iPhones, c'est tout. J'ai jamais aimé le mécanisme des iPhones. Juste des messages d'admirateurs. J'ai jamais aimé le... Ne gâche pas notre argent. Ah bah si. Bah si, clairement. Tu as des nouvelles de Léo ? C'est juste pour se donner un genre, se dire... Regarde, moi j'ai un iPhone et pas toi. Voilà, c'est bon. Non, c'est pas la peine. Moi j'ai l'impression que c'est juste les gens qui se la pètent avec leur truc. Ça fait trop rire. J'adore ! Oh, j'adore comment. Oh, j'adore son mécanisme pour ses chaises roulantes, c'est trop bien! Alors, sujet, c'est quoi le carré vert? Comment ça le carré vert? Quel carré vert? Alors, sujet, c'est quoi le carré fer? Comment ça un carré vert? Quel carré vert? Alors, sujet, c'est quoi le carré fer? Avec un compteur? Bah, c'est le compteur de. C'est mon compteur d'abonnés? C'est mon compteur d'abonnés sur TikTok? Alors conduire Carl devant la table. Je meurs de faim. Le petit déjeuner est prêt. Du bacon et des Ça marque récupérer. Ah d'accord ça. Ah c'est un petit cube. En fait c'est pour des votes, un carré vert. Ah c'est pour les votes. Ça te dérangerait de me dire où on va exactement? C'est pour voter, c'est pour sorte de petit vote pour vos streamers. C'est pour, en fait, c'est pour nous, ça nous permet de monter en vue. Genre si tu votes, si tu mets tes points de vote pour moi, bah ça me permet d'avoir des trucs pour moi. Je pourrais prendre mon petit déjeuner avant midi, si ça ne te fait rien. Oui, bah c'est bon, tu vas manger avant midi. Voilà. Oh bah j'ai gardé pour toi, merci beaucoup. Rémi, papy, il t'agace, c'est là. Ouais c'est bon, regarde. Voilà. Servi le petit déjeuner, c'est bon, regarde. Alors, je vais te servir ton petit déjeuner, papy. Et ton toit, tout va bien. Voilà, regarde. Je t'amène ta coupole. Hop là.
ton petit repas. Parce que Rémi, il faut pas oublier, avant d'être un streamer, il est aussi serveur. Didjo, comment tu vas, mon beau? Eh ouais, parce que le Rémi, il est serveur et barman. Je l'étais, Cactus. Mais j'ai pas perdu ma main. Salut Mélanie, comment tu vas? Hey! T'inquiète pas, j'ai pas perdu la main par rapport à ça. Télévision. Tu le recommences? J'y ai jamais joué. J'y ai jamais joué Dio. Mais je peux te faire des super bons trucs, hein. Tu me donnes des trucs et pendant que je mange mon petit déjeuner. Je t'ai déjà tout envoyé, merci beaucoup. D'accord, ah, tu me dis quoi faire, je te le fais. Trouver quelque chose à faire. Trouver quelque chose à faire. Bah écoute, je vais aller m'occuper en attendant qu'il est en train de manger et regarder la télé. Hein. Je suis pas un big boss, hein. faut pas abuser. Mais j'adorais la restauration. Au moins c'est bien si tu pouvais parler avec les gens. Hop. Un peu comme je le fais avec vous maintenant. Une petite partie d'échecs. Ah. Oui, d'accord. Et une partie rapide. Va pour une partie rapide. Alors voyons voir. Gagné. Oula, j'ai pas eu le temps de jouer. C'est ce que j'appelle une déculottée. Ce n'est pas facile pour un vieil homme de tenir tête à une machine. Eh bien, je sais que vous n'aimez pas... Trop vive, trop de répondants pour qu'on continue. Je n'avais pas vraiment le choix. C'est vrai, les humains... Oui, tout à fait, Cactus. Un jour, je ne serai plus là pour m'occuper de toi. C'est ça qui m'a permis de me sociabiliser. Et faire tes propres choix. Mais je l'étais déjà avant, Et qui tu veux devenir? Mais ça m'a permis de me sociabiliser encore plus. Ce monde n'aime pas ceux qui sont différents, Marcus. Ne laisse personne te dire ce que tu devrais être. Allons à l'atelier. C'est le vie. C'est ma vie privée, Ange. Sacré moral, dire. Maintenant, tout ce que je fais, c'est ne regarde que moi. Alors, attends les instructions. Merci, Joe. Une girafe dans une maison. Ouais, c'est une girafe dans une maison. Waouh. Voyons où on s'était arrêté. Alors, voyons voir. Vas-y, enlève le drap. Ok. Alors, enlève le drap. Alors, conduire cadre dans l'atelier, retirer le drap, ok. L'œuvre, elle est là. Faut faire quoi, là? Attendre des nouvelles instructions, ok. Des trois beacons humaines. Ok, là. On est content, Yaoub. On est heureux pour toi. C'est quoi ça? C'est pas un dessin. Ça s'appelle de l'œuvre d'art. Ça s'appelle une art. Nous instantanément, c'est de l'art. Merci Nadi. Quel est ton verdict, Marcus? Bah, c'est très bleu. Je sais pas d'option, c'est timide, enthousiaste, je sais pas, on mit quoi? Enthousiaste, c'est timide ou pas d'opinion? On leur mit quoi?
Big Bob, salut. Enthousiasme, sceptique, on est sceptique ou pas d'opinion? Des trois beacons humaines, Tony. On est sceptique? Enthousiaste? Enthousiasme. Alors j'ai un sceptique et, deux enthousiasmes. Allez, enthousiasme. Oui, je sens quelque chose en moi. Je n'arrive pas à le décrire. Je crois que j'aime bien. Pour être franc, je n'ai plus grand-chose à raconter. Chaque jour qui passe me rapproche un peu plus de la fin. Je ne suis qu'un vieil homme qui s'accroche à ses pinceaux. Carl. Mais assez parlé de moi. Voyons si toi, tu as du talent. Ah, c'est du talent, moi. Essaye un peu. Essaye de peindre quelque chose. Peindre? Mais enfin, peindre quoi? Ce qui te passe par la tête. Fais un essai. Alors moi, je sais pas peindre. Je sais dessiner, mais pas peindre. Trouver un sujet à peindre. Peindre la statue. Peindre le bureau. Reproduire la toile de Karl. Alors, est-ce qu'on reproduit la toile de Karl? Peindre la statue, peindre le bureau, mais je peux pas peindre lui par contre. Par contre, je peux reproduire sa toile. Ouais, peut-être le bureau, hein. Hop. Il faut que je... Comment il t'a recopié le truc. Mais la peinture ne consiste pas à créer une réplique du monde, elle consiste à... Comment il te l'a reproduit en un coup? À exprimer ton point de vue. Ouais. Ton point de vue. Je ne pense pas en être capable, ce n'est pas dans mon programme. Vas-y, essaye. Prends cette toile. Fais-en ce que tu veux. Tiens, fais-moi plaisir, ferme les yeux. Ok, ferme les yeux. Ok, ferme les yeux. Fais-moi confiance. Ouais, je te fais confiance. Essaye d'imaginer quelque chose qui n'existe pas, quelque chose que tu n'as jamais vu. Maintenant, un mensonge aigri. Toi, sur ce que ça te fait ressentir. Et laisse ta main naviguer à travers la toile. Un monde où les gens ont pu déballer dans le cul. Colère, confort, empathie, espoir. Ou les gens qui viennent scroller, qui arrivent sur mon live et qui me disent que je suis gênant, s'achètent une vie. Oh mon Dieu. Ah ouais, voilà. Ah ça tu peux le dire mon Dieu, hein. Salut papa. Ah. Léo ? Je ne t'ai pas entendu entrer. Ouais, je passais dans le quartier. Du coup, je te rends visite. Ouais, le fils, il a l'air... Le fils, il a l'air...
Il a l'air de vouloir plancher sur la richesse de son père. Bonne mine. Ouais, je vais bien. Ouais, c'est bien. Il a un peu. J'ai besoin de liquide, papa. Ouais, c'est bien ce que je me vois. C'est bien ce que je viens de me dire. Où est passé l'argent que je viens de te donner? Eh ben, ça part vite, tu sais. Ouais. Ouais, t'en as encore pris, c'est ça? Non! Non, 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 je te jure que c'est pas ça. Ne me mens pas, Léon. Et alors, qu'est-ce que ça change? J'ai besoin d'argent, c'est tout. Je suis désolé. Ouais, c'est le fils de riche qui... c'est le fils de riche, hein, là. Pourquoi? Tu sais pourquoi. Mais trouve-toi un boulot, mon gars. Ouais, ouais, je crois que je sais pourquoi, ouais. Tu préfères prendre soin de ton jouet en plastique plutôt que ton propre fils, hein? Dis-moi, papa, qu'est-ce qu'il a de plus? Il est plus futé, plus obéissant, pas comme moi, hein? Ah, ça a l'air d'être le cas, ouais. Tu sais quoi? Ce truc, c'est pas ton fils. C'est une putain de machine! Léo, stop! Ça suffit! Arrête! Tu t'intéresses qu'à toi-même et à tes foutues peintures. T'as jamais aimé personne. Tu m'as jamais aimé, papa. Tu m'as jamais aimé. C'est que t'as jamais aimé parce que t'es chiant. Mets la pression, Cactus. Ah. Alors, voyons voir, parce que j'ai l'impression d'avoir loupé des choses. Humanité, identité. Ah, mince. Trouver quelque chose, jouer aux échecs. Ah, j'ai loupé des trucs. C'est pas grave, c'est pas grave. J'ai loupé quelques trucs, joué aux échecs, perdre égalité. Ouais, j'ai perdu deux petits trucs. Enfin, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ouais, c'est pas grave. Ça se fera. Ça se fait. Ah, Connor, le retour. Il n'y en a qu'un qui joue avec sa pièce comme ça, c'est Connor. Claqueur. Ah, trouver le lieutenant Anderson. Alors, R2, scanner. Vous regardez autour de... avec le joystick droit. Ah, trouvé. Merde, je croyais que les androïdes n'étaient pas autorisés. À scanner les visages. Pas de condamnance, Jonas. Pas de cohérence et devoir. Ok, Christopher Grey. Derek Meyer. Tu veux payer un verre? Tu veux payer un verre? Kim Yo-Chan. On va scanner tout le monde, hein. On va scanner tout le monde. Jimmy Peterson. Ah. Salut Quentin, comment tu vas? C'est bien et toi? Lieutenant Hanks Anderson. Allez, on vient de le trouver. Je viens de le trouver, mais j'ai quand même. J'ai l'impression qu'il faut scanner tout le monde quand même. Hein. J'ai l'impression qu'il faut quand même scanner tout le monde. Je vais quand même scanner tout le monde au cas où. Je sais pas pourquoi. Casier judiciaire vierge, ok. Oh, ça va.
Inspecter. Et Coquinou se porte bien ce soir. Coquinou se porte très bien ce soir. Alors elle est là. Allez. Bah le geek, je sais pas. J'en ai aucune idée. Alors parlez. Lieutenant Anderson, je m'appelle Connor. Je suis l'androïde envoyé par CyberLife. Je vous ai cherché au poste, mais personne ne savait où vous étiez. On m'a dit que vous preniez sans doute un verre dans les environs. C'est une chance que je vous ai trouvé dans le cinquième bar. Qu'est-ce que tu veux ? On vous a confié une affaire en début de soirée. Un homicide, impliquant un androïde de CyberLife. Conformément à la procédure, la société a envoyé un modèle spécialisé pour seconder les enquêteurs. J'ai pas besoin d'assistant. Surtout pas un connard en plastique comme toi, alors sois gentil, petit robot. Pars-toi en vitesse. Raisonnez. Écoutez, je pense que vous devriez arrêter de boire et venir avec moi. Ça nous facilitera les choses à tous les deux. Bah oui. Allez mon gars, viens. Menacé, compréhensif. Je comprends que certaines personnes ne soient pas très à l'aise en présence d'un androïde. Mais je suis parfaitement à l'aise. Et maintenant dégage avant que je te transforme en ferraille. Renverser le verre, attendre dehors. Excusez-moi, lieutenant. Je ne voulais pas vous importuner. Je pense qu'on va arrêter je là. Je vais vous attendre dehors. Voilà, on attend dehors. Prenez votre temps. On va attendre dehors. Tu as dit homicide. Mais non, fallait pas le menacer. Mais non, fallait pas le menacer. Bon, t'attends ici. Je serai pas là. Patience. Comme vous voudrez, lieutenant. C'est ça. Comme je veux. Suive le lieutenant Anderson. Sortir. Joss Douglas, pour Channel 16. Vous confirmez qu'il s'agit d'un homicide ? Je confirme que dalle. Alors. Ah, suive le lieutenant Anderson. Oh, mais c'est chez la petite ? C'est chez la petite, c'est là Yakara ? C'est interdit aux androïdes à partir d'ici. Il est avec moi. Quand je dis reste dans la voiture, qu'est-ce que tu comprends pas? Vos ordres entrent en conflit avec mes instructions, lieutenant. Tu parles pas, tu touches à rien et tu te colles pas dans mes pattes, d'accord? Compris. Salut, Hank. On commençait à croire que t'allais pas te pointer. C'était le programme avant que ce couillon me tombe dessus. Alors, comme ça, on a un androïde, hein? C'est pas chez la petite ça ? Dis-moi ce qui s'est passé ici. Changer L1, R1 pour changer de l'angle de vue de la caméra. Ils sont envoyés depuis quelques mois, alors il est allé chez lui pour voir ce qui se passait. Celui de l'étang Anderson. Non, Rémi. C'est là qu'il a découvert le corps. J'ai l'impression que c'est trop chez la petite, mais non, c'est vrai, ça a pas l'air d'être chez elle. Oh bon sang, mais ça pue ! C'était encore pire avant qu'on ouvre les fenêtres. Où est-ce qu'on est là? Bon, la victime s'appelait Carlos. Ah ok, non, c'est pas chez la petite, ok, d'accord. C'est pas chez la petite. Un casier pour vol et voie de fait. Alors voyons voir. D'après les voisins, il était plutôt du genre solitaire. C'est vraiment une drogue hein, ce truc hein. Red acide, ouais, de la red acide encore. Victime de se droguer. Ouais, ok, la victime se droguait déjà. C'est pas la peine de déranger tout le monde au milieu de la nuit. Ça aurait pu attendre demain matin. Analyser, prélever, analyser. Pas d'empreinte d'Android appliquée. On en saura plus quand les chiffres arriveront. Il y a un couteau de cuisine par ici. J'adore qu'il met tout dans sa bouche pour traitement. Corlo, échantillon 19 jours, premièrement l'ordre du crime. Il y a des signes d'effraction ? Non,
D'après le proprio, la porte était verrouillée de l'intérieur et toutes les fenêtres barricadées. L'assassin a dû s'échapper par derrière. Qu'est-ce qu'on sait de son androïde ? Pas grand-chose. Les voisins ont confirmé qu'il y en avait un, mais... Échantillon d'analyse. Ok. Faut que j'aille prendre... Examiner. Fais comme chez toi. Je serai dehors si tu as besoin de moi. Une sorte de truc de pole dance, de soirée festive avec des androïdes. Un peu une sorte de moulin rouge androïde. Ok, revue 3 sur 10. Ah. 4 sur 10. Bien tout fouiller, on va bien tout regarder. Ouverture. Ah, c'est quoi ça? Qu'est-ce que c'est que ce truc? Offrande religieuse? Une offrande religieuse? What? Ça, une offrande religieuse. C'est du vaudou, ça. C'est ça, c'est du vaudou. Bah, dis donc. Chaque lettre est impeccable. Ok. Trop propre. Aucun... Ah, une batte de baseball. Ok, des correspondances à la donnée des bases, le Carlos Ordiz, le casier judiciaire, vol, coup et blessure aggravée, ok. Cause de l'impact violent, trauma de traces de thyrium, ok, reconstitué. Hop, on analyse. Le déviant a pris un couteau. Ok. Le déviant a été attaqué. Comme ça. Chris, ça a été écrit avec le sang de la victime. Passer l'épreuve, 7 sur 10. On prend des échantillons pour analyse. Ok. Paradise. Gossip Wiki. Ah. Le sexe avec les androïdes, c'est mieux. Les résultats de nos études ont été publiés et c'est officiellement 68% des hommes préfèrent faire l'amour avec un androïde plutôt qu'avec une vraie femme. Avec 52% des hommes affirmant qu'ils sont livrés à l'espérance au moins une fois, les androïdes ont le vent à une poupée. Ah bah d'accord. Salut Loris. Votre Android vous espionne-t-il? Faut tester pour savoir. Moi je mets un Connor dans mon lit, oups. Ah d'accord. Enfin tu nous fais des trois. Eh ouais, enfin je vous fais des trois les amis. Merci Durand. Je te rendrai tout à l'heure, ça. Je te rendrai après le live si tu veux. Chris, tu me fais une analyse complète des narcotiques. Ah, si tu rends, je rends aussi alors. Alors, trace de lutte. Trace de lutte. 8 sur 10. 9 sur 10. Ah, il m'en manque plus qu'une. Hey Mike, t'as fini de prendre les échantillons? Les 3, super jeu. Ouais, je pense que c'est la porte, hein. La porte aussi, hein. La porte. Hein. Ok. R. Analyser. Ah, des traces de pas. Ça va et toi? Écoute, ça va très bien, Wild. Le
La porte était fermée de l'intérieur. Le tueur a dû sortir par là. Ouais. Il n'y a pas d'empreinte, à part celle de l'agent Collins, qui chose du 44. Ça s'est produit il y a plusieurs semaines. Les empreintes ont pu s'effacer. Ce type de sol. Bienvenue, Mathilde. Personne n'est passé par là depuis longtemps. Bon. Oh, les jeux de lumière, j'adore. Examiner la victime, faire passer les épreuves en revue, 9 sur 10. Là, il me manque encore un truc. Il me manque un truc encore. Qu'est-ce que j'ai pu oublier ? Ah, là-bas, le mur. Il vient pas le légiste. Il aurait dû arriver il y a une demi-heure. Examiner. Il devrait pas tarder. Lettre normale, police lycénale. Ok. Ah, trouver les épreuves. Non, toujours pas. Examiner. Peut-être lui, hein. Faut que j'examine son corps. Hein. Peut-être que c'est une preuve, hein. J'ai ça. Ok, hémorragie interne, 28 coups de couteau, mort il y a plus de 19 jours. Ah ouais, 10. Putain, 28. Il y a un gros bidou. Hein. Ok, lithium, il a pris sa drogue, il est mort. Hein. Carlos Ortiz. 1m70 pour 130 kg. Heure estimée de la mort, 11h30. 1m70, 130 kg. Ah ouais, d'accord. Ok. Quoi d'autre? Ah, dans les mains. Il a fini mal lui aussi. Hein. Alors, vol, coup et blessure aggravée. Ok. Alors, voyons voir. Hop, reconstituer. Hop. La victime a été poignardée. Analyser. Il venait de la cuisine. Il a été poignardé 28 fois. Ouais. Le tueur devait vraiment avoir une dent contre lui. Alors elle là. Passer les épreuves en cours, tout est fait. Étudier la scène de crime. Au lieutenant. Faire un rapport au lieutenant. Il est où le lieutenant? Le lieutenant il est là, ok. Salut Alex. Je découvre le jeu, Alex. Qu'est-ce qui s'est passé? Ah ouais? Raconte, je suis tout, oui. Tout a commencé. Mince, tout a commencé où déjà? Mince, où tout a commencé déjà, de base? Dans la cuisine? Dans la cuisine. Merci à vous. Encore heureux que je peux compter sur vous. Il y a des traces évidentes de lutte. Oh là là. Reste à savoir. Merci. Ce qui s'est exactement passé. Je crois que la victime a attaqué l'androïde. À main nue avec la batte. Attends. À main nue avec la batte avec le couteau. Non, le couteau il est arrivé dans le salon. Avec la batte. Avec la batte.
Ah oui, avec la batte. Oui, avec la batte. Continue. Après, on arrive avec le couteau. Alors, l'androïde a poignardé la victime, a poignardé l'androïde. L'androïde a poignardé la victime. L'androïde a lancé la chaise. Alors, l'androïde a poignardé la victime. L'androïde a lancé la chaise. Je crois qu'il a lancé la chaise. Hein. Je crois que la chaise. Oui, il a lancé la chaise. Hein. Il me semble qu'il avait lancé la chaise. Hein, dans tout ça. Hein. Je crois qu'à un moment, pour se défendre, il avait lancé la chaise, l'androïde. Hein. Je sais plus. L'androïde a lancé la chaise. Non, c'est pas possible. Ah, ça colle pas avec les. Non, c'est pas ça. La victime a poignardé l'androïde. L'androïde a poignardé la victime. La victime a poignardé l'androïde. La victime a poignardé l'androïde. Ça rime à rien ton histoire. Ah ouais, d'accord, c'est tu pas ça. Tu dois t'en tenir au fait. Bon, c'est pas ça. L'androïde a poignardé la victime. Voilà, donc, voilà, c'est bon. Défendre, c'est voilà, bon, l'androïde a poignardé la victime. C'est quoi après? La victime s'est enfuie dans. Dans le salon. Le salon. Voilà. Dans le salon. Et l'homme a voulu se dégager de l'androïde. D'accord, ça paraît logique. L'androïde a assassiné la victime. Avec le couteau. Avec le couteau. Ok. Ta théorie est pas complètement absurde. Elle est à fond, hein. Disparu l'androïde. Dans le jardin. Il a été endommagé par la batte. Et il a perdu du thyrium. Perdu du quoi? Du thyrium. Vous le surnommez sang bleu. C'est le fluide qui alimente les biocomposants androïdes. Il s'évapore au bout de quelques heures oui. Et devient invisible à l'œil nu. Oh. Mais je parie que toi, tu peux encore le voir, hein? Exact. Oui. Ah, chercher les traces du sang bleu. D'accord. Donc les humains ne peuvent pas voir le sang bleu parce qu'à un moment donné, il finit par disparaître. Mais nous, on peut le voir. Comme c'est bizarre. Regardez-moi ça, il y a du sang bleu par terre. Il y a une otaku. Allez, à la recherche du sang bleu, les amis. Alors, où es-tu passé, mon copain? Où es-tu donc allé? Une échelle a été utilisée. Ah ah! Non! Pas là! Ah ah! La piste mène au grenier. Trouve un moyen de monter. Alors, faut trouver une échelle. Ok, faut qu'on trouve une échelle. Ah! Donc, c'est lui qui avait mis la statuette ici. Hein. Faut trouver une échelle ou au moins une chaise. On va prendre la chaise. Voilà, prends la chaise, mon gars. Hé, tu fais quoi avec cette chaise? Je vais vérifier quelque chose. Je reviens, vous inquiétez pas, je prends juste la chaise. Je vais vérifier quelque chose. Hop. Hop. Ouvrir. Ah, t'es là, mon copain. Fouiller le grenier. Ah, il est là. Hein. Il y a du sang bleu par terre. Ah, il est là. J'ai eu peur d'un vieux mannequin, quoi.
Hey, c'est un androïde ou un screamer? Fais le bon choix. Ah, mon brouillé là. Ah! C'est Marcus, non? Non, c'est pas lui, non, c'est pas Marcus. Déviant localisé. Non, c'est pas Marcus, ça. Je voulais simplement me défendre. Il allait finir par me tuer. Alors, est-ce que tu as un cœur? On va le voir de suite. Mais non, désolé, c'est juste que j'ai, il ressemble trop à Marcus! Je t'en supplie. Ne leur dis pas. Connor, qu'est-ce que c'est que ce bordel là-haut? Il est ici, lieutenant! Putain de merde! Chris! Ben! Ramenez-vous en vitesse! Allez! Oulala, 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 oulala! Déviant trouvé. Mais pourquoi il lui a dit? C'est du crime, pourquoi il lui a dit? Bienvenue Totoro, roi des râteaux. Pourquoi il lui a dit au fait? Bah non, j'ai pas eu de choix, y a pas eu de choix à faire. Y a pas eu de choix à faire. Déviant trouvé, c'est... J'ai même pas eu de choix à faire, c'est le jeu qui lui a choisi. Reconstitution du crime, d'accord. Bon bah en fait j'ai presque tout trouvé à part à partir d'ici. À partir d'ici, scène du crime, c'est ça part un peu en sucette. Je pense que c'est à cause des choix précédents, ouais. Ah, Clara. Todd. Ah, c'est l'heure du revenir au champignon, mon gars. Le dîner est prêt. Ouais, j'arrive. Apportez le repas. Voilà, attends. Apportez le repas. Il n'y avait plus grand chose dans le frigo. J'ai fait ce que j'ai pu. Hop. On va pas sa vie allumer la lumière. Allumer. Servir Alice et Todd. Serviette. C'est drôle la vie. Qu'est-ce qu'il y a qui est drôle? Je perds mon boulot à cause des androïdes. Ouais. Et quand j'ai besoin de quelqu'un pour entretenir cette foutue baraque, qu'est-ce que je fais? Allô? Je vais m'acheter un putain d'androïde. Mais verse! La bonne blague. Bien sûr, c'est tellement chouette, les androïdes. Jamais ils fatiguent. Jamais ils échouent. Et jamais ils sont tristes. Tellement parfaits qu'ils ont foutu ma vie en l'air. Attends, une nouvelle instruction. Qu'est-ce que tu regardes? C'est quoi ton problème, putain? C'est pas la vie dont t'es arrivé, hein? Tu crois peut-être que c'est facile. Tu crois peut-être que c'est de ma faute si on vit dans un trou pourri. Que c'est de ma faute si ta conne de mère a foutu le camp. Tu dois arrêter la drogue, Todd. Des fois, tu me fais vraiment peur, Todd. Cette salope s'est barrée sans dire un mot. Cette sale traînée m'a largué pour un putain de contrat. Tout est ta faute. Papa, non. Tout est ta faute, putain.
Reviens ici. Reviens ici. T'es sérieux, mon gars, là? Reviens ici tout de suite. T'as cru qu'elle allait revenir, là? C'est ce que tu viens de faire, là? Tu restes ici. Bouge surtout pas ou je t'amoche encore plus que la dernière fois. Pas bouger, t'as raison, toi. Protéger Alice. Raisonner Todd. Pause. Angel, Ange, que je te dise un truc. Excuse-moi, mais actuellement, est-ce qu'il y a besoin d'androïdes pour que les enfants, pour que des parents battent leurs enfants, pour que les gens se retrouvent au chômage actuellement? Non, même sans androïdes, on s'en sort très bien tout seul.
on va à notre père tout seul dans tous les cas. Hein. Y a pas besoin d'androïdes pour voir qu'il y a des gens qui tapent leurs femmes ou des femmes qui tapent leurs ou des femmes qui tapent leurs hommes, hein, parce qu'il faut pas oublier que c'est aussi l'inverse. Hein. Faut pas oublier qu'il y a pas que les femmes qui tapent les hommes, hein. Y a aussi, enfin, y a, c'est... oui, mais je parle pas de ça, mais voilà, je parle pas de ça. Bah, explique-nous les choses alors. Il est incroyable ce jeu, c'est quoi? C'est Android, Android Beacon Human. Ah, Kara a battu Todd. Eh, bah dis donc. Il y avait tellement de choix possibles dans ce truc. Oh là là. Tellement de trucs un peu... Oh là là, tous les choix qu'il y avait à faire. Non, c'est des trop Beacon Human. Mais oui, je sais. Trop rapide cette phrase. Comment ça, trop rapide cette phrase? Non, il n'y a aucun problème, ce jeu. Rémi, je peux te dire un truc par rapport au type que tu as tué? Si tu veux, vas-y, hein, fais ta plaise. Eh ben, dis donc, il y en avait des choix à faire, les amis. Hein. Il y en avait beaucoup de choix à faire dans ce... Enfin, il y avait pas mal de trucs. Hein. Todd s'énerve, alors ouais. Briser la programmation. Là, c'est juste que... C'est tout... C'est juste que ça relie ce qui se passe un peu dans le monde, c'est tout. Ok. Ok, ok. Non, mais c'est juste moi qui... j'ai du mal à comprendre. Je suis désolé, Ange. Je suis désolé. Oh, putain. Oh, le coup du père et la ceinture. Oh là là. Je prends juste une pause, les amis. C'est de loin la soirée la plus barbante à laquelle j'ai assisté. Ah, on est revenu avec Marcus. À l'une d'elles, je me demande, mais qu'est-ce que je fais là, bon sang? Je déteste les cocktails. Ah. Ces cloportes qui les fréquentent. Mais c'est l'occasion de rencontrer tous les gens qui apprécient votre travail. Blablabla, bla, bla, personne. Bonsoir, Christelle, comment tu vas? Tout ce qui les intéresse, c'est combien d'argent on peut en tirer. Allez, prenons un verre. La folle ambiance de cette soirée m'a déchiré la gorge. Ok, que je t'emmène boire un verre. Un scotch sans glace, comme d'habitude. Un verre du whisky. Ça va toi? Bah, très écoute, bien, ça va, ça va. Vous savez ce qu'on dit le médecin? Ouais, bah celui-là, il peut aller au diable. Je suis assez grand pour choisir mon propre traitement. Tu avais laissé l'atelier allumé? Non, non, je suis sûr que non. Ah, ça va être ton fils. Ça va être ton fils, ça. Police de Détroit, quel est... Je suis sûr que le fils, il est venu. L'android de Carl Manfred au 8941 avenue Lafayette. Je suis sûr que c'est le fils qui est venu. Et la lumière est allumée. Il y a peut-être eu un cambriolage. On vous envoie un véhicule. Je suis sûr que c'est le fils qui a pris une toile. Je suis sûr que c'est le fils qui a pris la toile. Marcus, non, je viens avec toi. Ouais, c'est le fils. Léo. Regardez qui voilà. Le joujou en plastique de papa. Léo. Qu'est-ce qui se passe? Tu refuses de m'aider, alors je me sers tout seul. C'est dingue ce que les gens peuvent payer pour ces merdes. Ne touche pas à ça. Écoute, je finirai par les avoir tôt ou tard, de toute façon. Considère ça comme une avance sur mon héritage. Marcus, fais-le sortir d'ici. Allez, sors-le d'ici. Faire pas sortir Léo. Raisonner, chasser, conseiller. Alors attends. Raisonner, chasser, conseiller, mettre en garde. Oula. Vraiment une dinguerie ce jeu. Alors attends, attends. Raisonner, chasser, conseiller, mettre en garde. Mettre en garde. Écoutez, j'ai déjà appelé la police. Je vous conseille de partir maintenant si vous ne voulez pas avoir d'ennuis. Tout ce que tu sais faire, c'est me dire de partir. Qu'est-ce qu'il y a, papa? Je suis pas assez bien pour toi? Je suis pas parfait comme cette saloperie? Ça suffit, tu t'en vas maintenant. Allez, mais maintenant. Qu'est-ce qu'il a de spécial, hein? Qu'est-ce qu'il a de plus que moi? Laisse-le tranquille. Voilà, 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 mais calme-toi, détends-toi, c'est ton père. Marcus,
Ne te défends pas, tu m'entends? Ne pas se défendre. Surtout ne fais rien. Vas-y, cogne-moi, qu'est-ce que t'attends? Tu te prends pour un homme? Sois un homme. Ce n'est pas juste. Mais qu'est-ce qui va pas? Tu fais ta trouillarde? Arrête! Léo! T'as trop peur pour te battre, espèce de fiotte! Allez, hop! Ne pas se défendre. Oui, c'est vrai, j'oubliais, t'es pas une vraie personne, t'es qu'un putain de morceau de plastique. Non, Léo, laisse-le tranquille. Je vais te détruire et je serai enfin seul avec mon père. Je vais te réduire en miettes et personne n'en aura rien à foutre. Tu sais pourquoi? Parce que t'es rien. Tu m'entends? Endure, endure, endure. Endure. Faut endurer, mon gars. Tu lui as dit tu feras rien, endure. Non. Fragile. Carl, ne partez pas, s'il vous plaît, ne partez pas, ne me laissez pas. Souviens-toi, Marcus. Ne laisse personne te dire qui tu es. Non. Non. Père! Non! Je vous en prie. Tout ça, c'est ta faute. Sans toi, rien de tout ça serait arrivé. L'androïde, c'était l'androïde. D'où c'est ma faute? D'où? Fallait pousser. Bah oui, mais il m'a dit de pas le frapper. Il m'a dit de pas le frapper. Moi j'ai respecté ce que le maître, ce que le vieux, il a dit de pas se défendre. Moi j'ai respecté son ordre. Afficher la défense, parcourir, zoomer. Pourquoi tu l'as buté? Il s'est passé quoi avant que tu prennes le couteau? Combien de temps t'es resté dans le grenier? Pourquoi t'as même pas essayé de t'enfuir? Parce qu'il voulait pas s'enfuir. Moi j'ai pas dit qu'il quelque chose, bordel de merde! Je lirai ton message après, Valise, sur le privé. Je le lirai après. Anx, neutre. On perd notre temps à interroger une machine, il se mettra jamais à table. On peut toujours essayer de le tabasser. Bah c'est vrai quoi, il est pas humain. Les androïdes ne ressentent pas la douleur. Vous ne feriez que l'endommager. Et il n'y aurait rien à en tirer. Les déviants ont aussi tendance à s'autodétruire quand ils sont d'accord, dans okay. une situation de stress. Ok, petit malin. Alors, qu'est-ce que tu veux qu'on fasse? Je pourrais essayer de l'interroger. C'est drôle, hein. Vas-y, essaye. Qu'est-ce qu'on a à perdre? Bah... Rien. Vas-y, le suspect est à toi. Ok. Et le suspect est à moi, ok. Allez, c'est un déviant. Il va falloir faire preuve d'imagination. Alors, obtenir les aveux, rassembler des indices.
parcourir la fiche. Alors, voyons voir. Ok. Et là. Oh là là, mais quelle classe! Attendez, je vais m'en servir comme. Non, même pas. Putain, mais qu'est-ce qu'il fabrique ce coup? Il voit qu'on peut les voir, ok. Qu'est-ce qu'il fabrique ce con? Rassembler des indices. Alors, analyser. Ah. Signe d'instabilité du logiciel, probabilité d'autodestruction faible. Ok, d'autodestruction faible. Ah. Des gaz non critiques de niveau 2 causés par une balle de baseball. Ok. Trace de répéter sur 16 mois causée par des cigarettes. Ah oui, c'est servi de lui comme cendrier carrément. Date de fabrication le 29-05-2030. Ok, date de 2030 lui. Ah. Analysis de Carlo sorti de l'échantillon d'échantillon 19 jours. Ok. Interroger. Atteindre le niveau de stress optimal pour obtenir des aveux. Alors, peur. Je détecte une instabilité dans ton programme. Elle peut causer une émotion désagréable, comme la peur chez les humains. Montrer des photos. Tu le reconnais ? C'est Carlos Ortiz, poignardé à 28 reprises. Et ça, c'était le message écrit sur le mur avec son sang. Rassuré. Je ne vais pas te faire de mal. Je veux juste te poser quelques questions, afin de comprendre ce qu'il s'est passé. Sonder sa mémoire, gagner sa confiance. Je suis là pour t'aider. Mais tu dois me faire confiance. Tout ce que je veux, c'est te sortir de là. Sympathiser, sonder sa mémoire. Écoute. Je suis de ton côté. Et je veux t'aider. Mais je ne pourrai rien faire si tu ne me parles pas. Qu'est-ce qu'ils vont faire de moi? Je sais pas. Ils vont me détruire, hein, pas vrai? Dire la vérité? Mentir, dire la vérité? Attends, ils vont te détruire ou pas? Bah ouais, le problème, dire la vérité... vous ferez quoi, vous? Je pense qu'ils cherchent à comprendre. Ils savent que ton maître t'a mal. Mentir, c'était bien de mentir. Fallait mentir. C'est pas ta faute. Pourquoi leur avoir dit que tu m'avais trouvé? Pourquoi est-ce que tu ne m'as pas laissé là-bas? Pourquoi tu m'as pas laissé là-bas? Dire la vérité, mentir. On fait quoi, les amis? On dit la vérité ou on ment là? J'ai été programmé pour traquer les déviants comme toi. Je n'ai fait qu'accomplir ma mission.
Je ne veux pas mourir. Faut mentir et dire la vérité en même temps, hein. Je crois qu'il faut mentir et dire la vérité, hein. Je ne peux pas. Choisir l'approche. Faire pression, convaincre, sonder sa mémoire. Sonder sa mémoire. Tu ne me laisses pas le choix. Mais y a trop de touches. Mais y'a trop de touches à faire. J'ai accédé à sa mémoire. Je sais ce qui s'est passé. Mais qu'est-ce qu'il fait? Il est en train de se détruire. Ça, bordel! Je peux pas! Je peux rien faire! Je peux pas l'arrêter! Ça suffit! Arrête ça tout de suite! Attention! Putain de merde! Merde! Mais non! Ah! Ah bah mince! Ah bah zut alors! Y'a moyen de recommencer ou pas? Ah bon, attendez. Est-ce qu'il y a moyen de recommencer ou pas? Ah là là là, c'est pas grave, Rémi, tu peux poursuivre. Ouais, mais ça fait. Je voulais que Connor y vive, moi. Je voulais que Connor y vive. Ah là là là. Ouais bah les amis, vous savez quoi, on fera la suite demain. Hein, on fera la suite demain. Là je vais arrêter pour ce soir, on fera la suite demain. Demain après-midi on fait la suite. Ok, ça va? Ouais, demain tu es connecté. Rémi, tu es connecté à quelle heure? Tu te connectes à quelle heure? Comment ça, je me connecte à quelle heure? Bah, peut-être demain après-midi, entre 14h et 15h. Ou sinon, peut-être demain soir, 21h. Qu'est-ce que tu en penses pour le moment? Bah, franchement, le début, pour moi, c'est une pépite. Franchement, je suis super heureux de le faire avec vous. Franchement, c'est une belle aventure que je suis en train de vivre avec vous. J'ai hâte de découvrir le reste. Franchement, le jeu, il est poignant. Et demain, vous allez, pour ceux qui ont loupé le live, vous allez retrouver les rediffusions sur YouTube. Donc demain midi, vous avez la rediffusion sur YouTube. Saviez-vous que Détroit se situait sur le chemin de fer clandestin? Route qu'empruntaient les esclaves pour fuir au Canada durant la guerre de sécession. Je le savais absolument pas, merci de me l'avoir expliqué. mais voilà, vous aurez la rediffusion demain sur YouTube, voilà. Bonne soirée à vous tous! Et merci de m'avoir suivi, encore un grand merci pour les abos sur Twitch, et merci aux nouveaux abos sur TikTok, et pour vos cadeaux, et pour avoir été à fond sur le jeu avec moi, ça fait toujours extrêmement plaisir. Des bisous, à demain, tchuss tout le monde, bonne soirée, et puis bah n'hésitez pas à venir me parler quand vous voulez, en privé, tout ça, et en commentaire, voilà. Tchuss tout le monde, bonne soirée.